Depuis toujours, on la cherche. Il y a 500 ans, des conquistadors s'enfonçaient dans les forêts de Floride pour trouver la fontaine de Jouvence. Aujourd'hui, l'avant-garde des chercheurs des pays riches poursuit la quête avec des moyens futuristes. L'homme a toujours rêvé de transformer le plomb en or, de se rendre jusqu'aux étoiles et de vivre le plus longtemps possible. De ces trois rêves, deux ont été réalisés. Ce n'est donc pas trop farfelu de croire que le troisième, celui de vivre beaucoup plus longtemps, sera aussi réalisé très bientôt. Le mythe de la jeunesse éternelle a changé de peau. L'industrie des cosmétiques connaît le plus grand boom de son histoire. Les petits pots contiennent bien du rêve, mais les laboratoires financent des recherches de plus en plus sérieuses sur les secrets du vieillissement, cette rouille de l'organisme. Ce qui donne les cheveux blancs, on commence à en comprendre le mécanisme. C'est le biologiste Henri Laborie, ancien chirurgien de la marine française, qui a montré le rôle destructeur des radicaux libres, ou comment le malheur intoxique. On masque sous ce mot de plaisir des tas de choses, mais finalement ça se réduit à très peu de choses. Toute personne vivante, tout être vivant, recherche le plaisir, c'est-à-dire être bien dans sa peau, c'est-à-dire être dans son équilibre biologique. Cet équilibre est rompu lorsque se multiplient les radicaux libres, ces molécules toxiques qui s'attaquent à l'organisme. Cela se produit si, face au stress de la vie, on ne peut ni se battre ni s'enfuir. Ce qui fait vieillir avant l'âge, pour Henri Laborie, c'est l'inhibition de l'action. Ça fout le bordel dans tout le fragile équilibre biologique. C'est un instrument, le système inhibiteur de l'action, qui est assez favorable. Par contre, si ça dure, alors là, il est à l'origine de toute la pathologie. Grosso modo, toute cette pathologie est englobée par l'inhibition de l'action, donc par la société, puisque c'est la société qui vous met en inhibition de l'action. C'est le fait de ne pas pouvoir, dans cette société, réaliser votre bien-être. Et le vieillissement est d'autant plus grand et plus rapide que votre mal-être est plus important. Je ne suis pas sûr que la véritable cause du vieillissement ait été contrôlée, c'est-à-dire le rapport entre l'individu et son environnement social. L'angoisse face à la vieillesse prend racine dans ce qui a été le plus souvent l'histoire des vieux. Être éliminé ou mis à l'écart. Déguisé en vieille dame, Pat Moore a parcouru en 5 ans 150 villes d'Amérique du Nord. Jeune créatrice en design industriel, elle voulait prouver que beaucoup d'objets quotidiens sont conçus sans tenir compte des personnes âgées. L'expérience a changé sa vie. Chaque jour, je commençais par transformer mon visage avec les différentes prothèses, en les collant, en mettant les lunettes et la perruque. Mais le plus important était de transformer mon corps. J'étais une femme de 25 ans, capable de me tenir droite, de bouger, et tout à coup, je devais enfermer mon corps dans un carcan. Je ne pouvais plus me pencher et je devais me déplacer très lentement. Toute la vie change. Vous êtes enveloppé comme à l'intérieur d'une coquille. L'attitude des gens peut se diviser en 50% favorable et 50% défavorable. La moitié du temps, c'était agréable, amusant,
charmant, joyeux. Et l'autre moitié, c'était triste, horrible, déprimant, effrayant. Je me rends compte maintenant que j'avais commencé innocemment, croyant que c'était une recherche en design, que c'était le problème d'une société qui ne se soucie pas des gens et de leurs besoins. Mais ce n'était qu'une partie du problème. Le jour où j'ai vraiment compris, je marchais tranquillement dans la rue, déguisée en vieille dame, quand je suis soudain devenue une victime à cause de mon âge. Je portais ces gants ce jour-là. C'est affreux rien que d'y penser. Avant de me rendre compte de ce qui se passait, j'étais par terre et 6 ou 8 jeunes garçons, je ne sais plus combien, des garçons de 11 ou 12 ans, me frappaient à coups de pied et à coups de poing et battaient une femme tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas se défendre. Depuis des décennies, les personnes âgées sont victimes de discrimination dans notre société. On se moque d'elles, on les amoindrit, on les dégrade. Être âgé et subir cela, c'est insupportable. Les gens détestent être la cible d'attaques sexistes ou racistes ou religieuses. Et en même temps, notre population âgée doit encaisser cette glorification de la jeunesse depuis des décennies. Les gens âgés se voient représentés comme des débiles ou des bouffons ou des êtres asexués, et ils en ont assez. Le monde du marketing américain est en pleine effervescence. Le marché senior explose. L'âge d'or, une mine d'or. Ladies and gentlemen, Dr. Ken Dykewald. Je vous demanderai à tous de vous lever une seconde et de prendre le temps de vous présenter à ceux qui sont derrière vous ou à côté. Le but principal de notre compagnie, AgeWave, est de jeter un pont sur l'avenir. En Amérique du Nord, en publicité et en design, l'emphase a toujours été mise sur la jeunesse. Nous essayons d'avoir un aperçu de ce que les compagnies devront fabriquer et comment elles devront vendre leurs produits à une population plus mûre. Certains de vos produits s'adresseront à une génération de gens âgés fragiles, d'autres à des gens bien portants. Un des problèmes majeurs, c'est que certains des publicitaires les plus brillants ont entre 28 et 31 ans. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que les gens de 60 ou 80 ans pensent, ou de ce qui leur fait peur, ou de ce qu'ils veulent avoir dans leur vie. Un de nos défis, c'est d'éduquer les gens du milieu de la publicité dans toute l'Amérique du Nord. Pour donner aux jeunes cadres une idée des effets de la vieillesse, on distribue des kits de vieux, myopes comme une taupe, sourds comme un pot, et empotés avec ça. Une des meilleures façons de voir comment notre société change d'attitude à l'égard du vieillissement, c'est en regardant les annonces publicitaires. Avant, on ne voyait à peu près jamais une personne attirante de plus de 50 ans. C'était presque toujours des gens de 20 ou 30 ans ou des adolescents, rarement des personnes âgées, comme si elles n'existaient pas. Et quand on voyait une personne âgée, c'était pour colporter un produit contre la constipation, la diarrhée ou pour garder les dentiers en place. Mais depuis quelques années,
it's got to be the shoes. Well, maybe it's the oysters. Vous allez voir que la publicité présentera les gens âgés sous un jour positif. Et la raison est évidente. Ce sont les gens d'âge mûr en Amérique du Nord qui ont l'argent. Ils contrôlent les trois quarts de la richesse. On verra une représentation plus positive des vieux dans les annonces à la télé et moins d'attention sera portée aux jeunes qui, eux, ont très peu d'argent. Sur Radio Bleu, les retraités passent à l'attaque. Car aujourd'hui, plus on vieillit, plus on vit. Quand une jeune personne dit à une personne âgée, vous êtes long, restez jeune, ben c'est pas un compliment. Moi, je ne veux pas être resté jeune. Je suis heureux de ne pas être trop infirme à l'âge que j'ai, de pouvoir regarder l'avenir plutôt que le passé. Je connais des gens de 20 ans, de 30 ans, qui sont, d'après les critères normaux, vieux, parce qu'ils sont déjà confiés dans le passé. Ou plutôt tellement satisfait du présent, eh bien, est-ce que c'est ça la jeunesse? Bon, la jeunesse, ça n'est pas l'âge chronologique, entendons-nous bien là-dessus. La jeunesse, si c'est la disponibilité, mais je pense qu'on peut être disponible à tout âge. Il y en a une là. Pierre Dansereau est considéré comme un des pères de l'écologie. À 82 ans, il se bat avec vigueur contre le confort et l'indifférence de la société d'aujourd'hui. De vraiment entrer à fond dans la planification, de savoir où s'en va la population de la communauté urbaine de Montréal. Alors, un scientifique poète, sonneur d'alarme, mais éveilleur d'espoir aussi. C'est une fille qui est buona, molto buona. Oh, oui, molto buona. Monsieur Dansereau, c'est mon directeur de thèse. C'est un peu comme mon phare dans le brouillard, si on veut, de la désinformation, de l'ignorance, de la cupidité. C'est quelqu'un vers qui on peut aller très facilement, qui nous accueille généreusement et qui a pas nécessairement réponse à toutes les questions, mais qui peut nous aligner sur des pistes exploratoires assez intéressantes. Un étudiant avec qui j'avais eu une discussion un peu raide m'avait demandé à un moment donné, mais vous croyez-vous supérieur à moi? J'ai dit oui, je suis supérieur à vous, mais c'est écologique, ça n'est pas génétique. Dans quelques années, on verra bien, ça sera peut-être le congrès. Mais pour le moment, j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, aujourd'hui j'ai 40 ans ou 50 ans de plus que mes étudiants, bien sûr que j'en sais plus long qu'eux. On appelle ça une mauvaise herbe. C'est beau comme tout, voyez les feuilles, les fleurs qui sentent bon. Et ça nous vient de l'Ouest canadien. C'est venu tout le long du chemin de fer jusqu'à Montréal. Et elle est bien acclimatée ici, voyez, ça pousse avec une vigueur extraordinaire. C'est un olivier. Il doit avoir environ 300 ans. Et c'est tellement extraordinaire. On peut imaginer toutes sortes de petites fées à l'intérieur de ces cavernes. N'importe quoi peut vivre là-dedans. Californie, laboratoire d'expérimentation sociale, pays du culte de la jeunesse. Laura Oxley y a écrit l'un des tout premiers livres de thérapie personnelle au début des années 60. Je suis née à Turin, en Italie, et je me destinais à être violoniste de concert, ce qui m'a amenée ici en Amérique il y a une cinquantaine d'années. Un ami est tombé malade, et je me suis plongée dans l'étude de la nutrition et de la psychologie. Ça m'a fait prendre conscience qu'une grande partie de nos problèmes pourraient être évités. Pourquoi nous rendons-nous si misérables? Vous voyez ça? C'est tellement beau. C'est du basilic. Vous pouvez faire une chose merveilleuse avec ça, du pesto. Vous n'avez besoin que de 5 ingrédients, c'est très simple.
Et cette herbe, en plus d'être merveilleuse, vous en voulez un morceau? Elle a un pouvoir de guérison d'une qualité extraordinaire. Good. Alors, le corps et l'esprit sont ensemble, sont indivisibles, inséparables, comme une fleur et son parfum. Et peut-on imaginer quelqu'un qui a écrit des vers d'amour qui a la nausée? On peut exorciser par l'exercice. On peut éliminer une partie de nos émotions négatives parce que c'est souvent dans les muscles que les émotions négatives sont emprisonnées. C'est dans les muscles que se font les plus grandes transformations d'énergie. You cannot separate body, mind. Vous ne pouvez pas séparer corps, esprit et société. Si je prends soin de mon corps, mon esprit sera vif et ouvert. Si je prends soin de mon esprit, je deviens une personne meilleure et je peux être plus utile à la société. Old age is a modern. Le vieillage est une invention de la civilisation moderne, tout comme le réfrigérateur et le moteur à explosion. D'une façon, c'est très encourageant. Comme c'est nouveau, nous avons plusieurs possibilités de travailler avec les gens âgés et de réorganiser le vieillage. En gérontologie, nous sommes très optimistes et croyons pouvoir trouver de nombreuses façons d'intervenir pour améliorer la qualité du vieillage. Je ne voudrais pas passer les cinq dernières décennies de ma vie, disons de 60 ou 70 ans jusqu'à 113 ans, au lit parce que j'ai eu une crise d'apoplexie ou que j'ai été atteinte de démence ou à cause d'une autre maladie. Je veux être capable de vivre pleinement jusqu'au jour de ma mort et être entièrement capable de faire ce que j'ai envie de faire. À Montréal, le docteur Wang est à l'avant-garde de la recherche génétique. Elle essaie de percer le mystère de la mort des cellules. Disons que votre cerveau a 500 cellules à votre naissance. Elle devrait pouvoir durer jusqu'à la fin, c'est-à-dire une centaine d'années. C'est comme une Rolls-Royce qui est bien construite et qui ne tombera pas en morceaux. La seule façon de la casser, c'est en frappant dessus avec un marteau. Chacune de ces bandes représente un gène. Quelles sont les bandes qui se présentent dans une cellule mourante? Par exemple, ici, là et là. Nous avons identifié 10 bandes principales qui sont présentes dans la cellule mourante, mais pas dans la cellule bien portante. Ce que nous cherchons à savoir, c'est pourquoi les neurones mourants ont ces gènes. Peut-on éliminer ces gènes et faire que les neurones redeviennent normaux et bien portants? Aux États-Unis, on expérimente un traitement au potentiel révolutionnaire. Plusieurs centaines de patients âgés participent à cette expérience. Le traitement est à base d'hormones de croissance humaine synthétiques. Ça vous plaît d'être un sujet de recherche? Ça me plaît beaucoup. Grâce à ce remède à base d'hormones, j'espère quitter bientôt mon fauteuil roulant et être capable de marcher et de vivre normalement comme lorsque j'étais plus jeune. Quand les gens deviennent vieux, ils perdent leurs réserves d'hormones de croissance. Ce sont ces hormones qui font que les enfants grandissent, et elles continuent à jouer un rôle. Nous savons maintenant qu'en devenant vieux, les gens perdent à un moment donné leurs réserves d'hormones de croissance.
Après un certain âge, la composition du corps change progressivement. La taille des organes qui fonctionnent diminue lentement, en moyenne de 0,5% par année ou de 5% par décennie. Ce qui veut dire que lorsque vous passez de 35 à 45 ans, la taille et la force de vos muscles diminuent de 5%. Vos reins se rétrécissent d'environ le même pourcentage. Vos os perdent environ 5% de leur force, de leurs minéraux, etc. Quand ces hommes de 70 ans ont été traités pendant 6 mois ou un an avec des hormones de croissance humaine, la composition de leur corps est redevenue ce qu'elle était 10, 15, 20 ans auparavant. L'hormone de croissance humaine a renversé plusieurs effets du vieillissement. Les graisses diminuent, le muscle grossit, la peau s'épaissit, ce qui équivaut à rajeunir de 10 à 20 ans. Si on regarde l'avenir, dans de nombreux cas, les personnes qui vieilliront dans les prochaines décennies recevront des traitements de remplacement d'hormones que les générations précédentes n'auront pas reçus. Ça contribuera probablement à leur donner une vie plus vigoureuse dans le dernier tiers de leur vie. Un projet de recherche écologique aussi fabuleux que controversé vient de franchir une première étape. Pendant 2 ans, 8 personnes ont vécu enfermées dans une immense serre, isolée du monde extérieur. Le docteur Roy Walford, gérontologue et médecin du groupe, communique depuis sa biosphère 2. La durée maximale de vie est la plus longue période qu'un individu peut vivre. C'est une caractéristique de l'espèce. Pour l'être humain, c'est 110 ans. Pour les chimpanzés, 45 ou 50 ans. C'est la durée maximale de vie et elle est fixe. Elle a toujours été la même pour les humains, de l'époque des Romains jusqu'à aujourd'hui. Mais l'espérance moyenne de vie chez les Romains était de 22 ans. Et aujourd'hui, elle est d'environ 75 ans. Donc, elle a augmenté avec le temps grâce à une meilleure alimentation, une meilleure qualité de l'eau et grâce au progrès de la médecine. On sait qu'en réduisant la consommation de calories, mais en maintenant un régime très nutritif, un régime bas en calories mais haut en valeur nutritive, on peut retarder le vieillissement et allonger la courbe de vie. Par ce régime, le docteur Walford a prolongé de moitié la vie de diverses espèces animales. Mais pour la première fois, des humains se sont prêtés à l'expérience. Pendant leur captivité, les biosphériens ont vu leur taux de cholestérol baisser radicalement, leur rythme cardiaque ralentir et leur résistance à la maladie augmenter. Expérience éprouvante pour les chercheurs affamés dans leur biosphère. Mais elle démontre qu'il existe bel et bien des mécanismes qui ralentissent le vieillissement. J'avais environ 15 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à la prolongation de la vie. Il y a tellement de choses passionnantes dans la vie que la première chose à faire, c'est d'essayer de vivre le plus longtemps possible. Ça m'intéressait donc de vivre longtemps, et puisque je voulais aussi devenir biologiste, ça m'a mené à la gérontologie. Et j'espère vivre jusqu'à au moins 120 ans et ainsi survivre à tous ceux qui ne croient pas ce que je dis. Personnellement, vous voyez, le fait de prolonger la vie des hommes ne me semble pas être un progrès fondamental lorsque ces hommes seront toujours ce qu'ils sont. Parce que finalement, prolonger la vie de préhominiens, de gens qui vivent dans leur jugement de valeur, leurs préjugés, leurs lieux communs, etc., qui s'entretuent à travers la planète, je ne vois pas très bien l'intérêt, ils s'entretueront un peu plus longtemps. Bon. Mais il faudrait qu'il y ait d'abord une transformation profonde du comportement humain pour qu'à ce moment-là,
le vieillissement devienne quelque chose d'intéressant, de prolonger la vie de gens qui resteront productifs, créatifs, et non pas simplement dans la création de marchandises, mais dans la compréhension de ce qu'ils sont par rapport à l'univers dans lequel ils sont plongés. On croirait entendre l'écrivain Aldous Huxley, le mari de Laura Huxley, l'auteur du célèbre roman « Le meilleur des mondes », où une élite sans scrupules manipule la science pour contrôler la société. Les gens ont dit qu'il était un visionnaire. Moi, je dis qu'il était réaliste, parce qu'il a vraiment compris le potentiel de la condition humaine. Il a vu qu'à l'intérieur de nous, il y a le ciel et l'enfer. C'est à nous de choisir. Rien d'étonnant à ce que Laura Huxley ait mis en œuvre un projet orienté vers l'avenir. La fondation Our Ultimate Investment pour rapprocher les deux pôles de la vie. Ce n'est pas une idée vraiment originale. C'est naturel que les différentes générations communiquent entre elles. Très souvent, les jeunes enfants se sentent seuls, et les personnes âgées aussi. Lorsqu'elles se rencontrent, ces deux solitudes se transforment en tendresse. Pas vrai? C'est une chose naturelle chez les babouins. La grand-mère a toujours pris soin des petits. Et chez toutes les espèces animales, on ne laisse pas son petit tout seul, surtout au début, sans être touché. Quand on touche un enfant, on est touché. Le toucher est la chose primordiale. C'est la tendresse. It's tenderness, really. Hi. Hi, hi, kid. Hi. What's the matter? Il est en train de se passer aujourd'hui, à l'égard des personnes âgées, dans le domaine de la santé, la même chose qu'avec les nouveaux-nés il y a des décennies. On pensait avant que les nouveaux-nés étaient très frêles et vulnérables, et le taux de mortalité infantile était très élevé. Il était même de 30 à 40 % Sur 100 enfants qui naissaient, 30 ou 40 ne survivaient pas. Et c'était accepté, on croyait que c'était inévitable. Puis, avec les progrès de la médecine moderne et de la société, on s'est rendu compte que c'était totalement erroné. Plus de 99 % des nouveaux-nés devraient survivre aujourd'hui, dans une société convenable. Le taux de mortalité infantile est inférieur à 1 %. La même révolution dans notre manière de penser s'applique maintenant aux personnes âgées. Nous avons maintenant des preuves que la plupart des gens âgés peuvent vivre en santé jusqu'à 70, 80 ou 90 ans, et que la majorité d'entre eux ont la possibilité de réussir leur vie jusqu'aux dernières années. Dans le monde industrialisé, depuis le début du siècle, tous les 10 ans, la durée moyenne de la vie s'accroît de 5 années. En France, la Fondation Ipsen enquête sur un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité. Le nombre de centenaires, on peut les compter, les dénombrer. En France, vers 1953, ils étaient 200. 200, on les met dans une petite salle facile. Actuellement, on estime qu'ils sont à plus de 4000. Et c'est l'augmentation la plus importante qui a existé. C'est de toutes les strates de la population. Les 60 ans, les 40 ans ont augmenté, mais en nombre beaucoup moins important. L'étude des centenaires, ça amène d'abord un modèle pour montrer qu'on peut arriver à 100 ans sain d'esprit et sain de corps, que c'est possible, que la vieillesse n'est pas forcément une décrépitude, que cette décrépitude peut arriver très tard. D'autre part, l'étude peut nous montrer un certain profil psychologique. Les centenaires ont une psychologie spéciale, une psychologie de survivant,
comme des gens sur un radeau. Il y en a certains qui vont survivre, d'autres pas. Comme la vie est un long marathon ou un tempérament de coureur de fond. Faut pas se plaindre. Faut jamais se plaindre. Il y a toujours plus malheureux que soi. Qu'est-ce que... 104 ans? J'ai besoin de personne? Les Japonais, par exemple, ont montré, et les Hollandais aussi, que les générations avaient pris plusieurs centimètres de taille, 10, 20 centimètres. Ça se voit tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre. Dès que les enfants ont grandi, à l'âge de 20 ans, on le voit. Mais il est possible que ce soit la même chose, un paramètre aussi fondamental que la taille, ben, le temps de vie soit allongé. Comme la longévité a augmenté, la période de vitalité au milieu de la vie a augmenté. On a ainsi prolongé la force de l'âge entre 50 et 75 ou 80 ans. Une période qui n'appartient pas à la vieillesse quand la personne est vigoureuse et en bonne santé et qu'elle se consacre à des choses qu'elle aime. 72-year-old Eleonora Vinson won a silver medal in the 5-kilometer walk. Now, researchers want to know her aerobic age compared to chronological age. You're about a 24-year-old. As far as I'm going home and get rid of my 79-year-old husband. I'm getting rid of him first. If I can keep up with the 25-year-old, he's going to go. But perhaps the most intensity, women's basketball. Je crois que cette prolongation de la force de l'âge augmentera encore. Je crois qu'à l'avenir, il y aura des gens de 90 ou 100 ans qui seront demeurés essentiellement comme ils étaient à 50 ou 60 ans. Allô? Lisette! Dans 10 minutes? Oh! Hey, Georges, la berceuse, les enfants arrivent! Oh, tabarouette! Hey, il faut faire vite! Attrape, chérie! Je vais me changer! Oh, oublie pas les tableaux, hein! Et la musique! Oui, bien sûr! Oh. Où est mon chandail gris? Dans le tiroir du bas avec les flux en plastique! La pure magie. T'es prêt, mon chou? Oh, Georges, l'horloge. Devient-on brusquement vieux passé le cap de la soixantaine? N'est-ce pas plutôt l'idée que l'on se fait de l'âge? Qu'adviendra-t-il lorsque les gens vivront plus longtemps? Qu'adviendra-t-il de leur maison? Quels emplois faudra-t-il pour les faire vivre? Je ne crois pas que nous soyons socialement ou politiquement prêts pour la longévité, mais scientifiquement, c'est possible. L'âge actuel de la retraite vers 65 ans a été établi il y a plus de 100 ans. À l'époque, l'espérance de vie était de 45 ans. Aujourd'hui, on met à l'écart des gens compétents avec plus de 20 ans de vie active devant eux. Comment éviter ce fabuleux gâchis? You can do whatever you want to do. You set your own limitations. Ce que la plupart des gens feront, je crois, sera de remodeler leur vie. De sorte que si à 40 ans leur carrière ne les rend pas heureux, ils pourraient retourner à l'école. Les divorcés ou les veufs, au lieu de se dire que c'est la fin de leur vie amoureuse, pourraient se dire « Eh bien, j'ai tout le temps, peut-être que je tomberai encore amoureux ». Certains prendront leur retraite et commenceront une nouvelle carrière à 60 ou 70 ans. Ce n'est pas un plan de vie linéaire, c'est plutôt ce que j'appellerais un plan de vie cyclique, où le travail, les loisirs et l'éducation sont mélangés et se recoupent pendant tout le cycle de la vie. Tous les mordus de cinéma connaissent Henri Alcan. Il a mis en lumière certaines des plus belles images du cinéma. Pour Jean Cocteau. Pour Wim Wenders. À 86 ans, il se prépare à changer de cap. Alors, on va seulement bien établir les moments où on va changer les effets de lumière. Essaye, Jean, d'envoyer la lumière du soupirail pour qu'on voit les... Voilà. À
Alors, ça, c'est un effet assez important. Oui. Parce que ça marque un peu le déroulement du temps. Et Robert, ça vous satisfait à peu près, ça. Très bien, moi. Bon, ben, on va passer à la répétition. D'accord. Finalement, j'abandonne le cinéma pour une raison relativement simple. C'est que j'ai envie de m'exprimer autrement. Et il existe des problèmes attachés à la vie même des citoyens. Et tout à coup, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de voir comment on peut utiliser la lumière pour améliorer la vie citadine, c'est-à-dire inventer des éclairages qui donnent envie aux piétons dans les rues, dans les parcs, dans les avenues, de pouvoir avoir un plaisir de parcourir leur ville. Ben, ici, on est en présence du lavoir communal, et il vient d'être restauré comme il était à l'origine, et c'est superbe, c'est des pierres plates de lave. Alors j'espère pouvoir donner le maximum de relief à la beauté de ces pierres plates en plaçant une lumière rasante. Mais oui, c'est pas mal. Hein? Alors vous avez quel âge? 88. Ah, c'est un bel âge. Mais oui. Et vous avez été dans ce lavoir? Oui, 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 j'ai été au lavoir. Hein. Et vous avez lavé du linge? À genoux. À genoux? Dans une boîte. Et vous n'étiez pas toute seule? Oh non, à laver le linge. Il y avait beaucoup de femmes qui lavaient, donc beaucoup. Donc vous avez connu... On n'avait pas de machine à laver, hein? Ah non, mais c'était plus beau, ça. Ah oui, oh, c'est fatigué, en hiver, il faisait froid. Hein. Et qu'est-ce que vous pensez de la restauration? C'est très bien. Hein. Du lavoir? C'est bien, hein. C'est bien fait. C'est une belle initiative. C'est bien, très bien. Alors nous, on va mettre de la lumière. Ah, mais c'est bien. Donc quand les touristes vont passer, ils vont venir tous admirer ce vieux lavoir. Ça sera joli, hein? Ça sera joli. Ben, j'espère que ça sera joli. Ah, oui. Ah, les vaches, ah, les belles vaches, avec leurs luisants poils roux, leurs jolies queues en panache et leurs grelots au cou. Henri Alcan ne fait pas que mettre en valeur le passé. On a fait appel à lui pour le métro du prochain millénaire à Paris. Ma participation est modeste, puisqu'elle a consisté surtout en suggestions pour l'emploi de la lumière. Et notamment, ce que je trouve très important, c'est comment faire communiquer cette vie souterraine avec le cosmos, la lumière solaire et l'influence de la lumière solaire sur les futurs voyageurs. On monte dans cette tour Eiffel qui est une vieille dame. Et elle est très vieille, elle est très en ferraille, elle n'est pas belle mais elle résiste. Et dans quelques moments, vers 8 heures, ils vont l'éclairer. Et elle va être merveilleuse, on verra plus la ferraille. Et pourtant, la vieillerie, elle est toujours là. Mais c'est très beau quand même. Alors vieillir, c'est bien. Les médecins nous font vieillir. Ils ont le devoir de nous faire vieillir dans leur serment d'Hippocrate. Mais vieillir à quel prix et vieillir comment? Et là, il faut prendre le relais des médecins. Ils ne peuvent pas tout faire. Et c'est à nous de bien vieillir. C'est vraiment à nous
de préparer notre vieillissement. Or, notre vieillissement dans la dignité, notre vieillissement d'homme, qui gardons notre jugement, notre raisonnement, eh bien, c'est le vieillissement de notre cerveau. C'est pas seulement le vieillissement de notre estomac, de notre cœur, comme le pensaient les Égyptiens, mais qui dirige tout, c'est le cerveau. Et on est maître de ces neurones. Pour le prouver et déceler des zones inactives, on injecte une substance faiblement radioactive qui se fixe dans le cerveau. On le photographie alors par tranches très fines. C'est la tomoscintigraphie. Une première série en relaxation, puis en activité, avec des exercices qui éveillent des régions spécifiques. En état de relaxation, peu de zones sont en activité. On les voit en rouge. Dès que le cerveau est stimulé, les zones rouges s'étendent. On voit derrière le cerveau qui répond ou en relaxation ou en mémorisation. Et il répond d'une façon qui est une façon logique, qui est une façon organisée, qui n'est pas une façon au hasard. C'est encore plus vrai dans cette même idée de maîtrise du cerveau, de domination du cerveau, lorsque les gens, au contraire, qu'ils soient d'ailleurs jeunes ou âgés, c'est exactement le même problème, décident quelque part de laisser aller. C'est le jeune qui dira « j'ai pas de job », de toute façon, j'ai pas d'avenir, et qui rentre dans cet état d'espèce de démotivation. Rien ne l'intéresse plus. C'est même pas de la dépression. Rien ne l'intéresse plus. C'est pire que la dépression, quelque part. C'est la même chose pour la personne âgée qui dit « à quoi bon vivre demain ?» ou qui va dire très joliment « c'est assez ». Et quand quelqu'un a dit « c'est assez », c'est terrible, parce qu'il se bat plus. Il a plus envie de vivre. Eh bien, nous savons, chercheurs, que lorsqu'il y a cet état de démobilisation, de démotivation, on l'a montré d'un point de vue expérimental, il y a aussi une accélération des processus dégénératifs. Et là encore, on va mériter le cerveau que l'on se prépare. Il y a garçon, pomme, rire, eau, rideau, mère. Le docteur Monique Le Poncin, psychologue et chercheur, est une pionnière de la stimulation cérébrale. Myrtille, cheval, ami, ver et herbe. Ok ? Vous allez essayer de bien vous concentrer et essayer de retenir le maximum de mots. Alors, top, c'est parti. Vous essayez de mémoriser le maximum de choses. On essaie de voir maintenant ce dont vous vous souvenez. Alors, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mots. Normalement, une personne qui a une mémoire banale, sans ce qu'on peut appeler une mémoire excellente, donne 7 points. Alors, on va voir. Combien j'en ai ? 9. Combien j'en ai ? 10. 75 ans, 10. Et là, j'en ai quand même 2, 4, 6 aussi. Alors que Mathilde a des problèmes d'yeux, donc elle voit mal. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Premier point, tout le monde a une mémoire complètement normale. Par rapport à l'âge, il n'y a pas la performance, n'a rien à voir avec l'âge. Vous le voyez bien tous. Puisque finalement, une des meilleures performances après les 2-30 ans, c'est Dalila avec 10 points, ce qui est une excellente mémoire. Et elle a 75 ans. Par contre, elle fait du bridge. Elle joue au bridge. Elle l'entretient, son cerveau. Le cerveau est magique en ce sens qu'on ne peut pas atteindre ses limites, finalement. On n'utilise à peu près que 10 à 15% de son cerveau. Alors, il en reste énormément. Il reste énormément de neurones qui sont là, potentiellement prêts à répondre. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'être surmené, surtout. Il faut faire fonctionner ce cerveau le plus longtemps et le plus souvent possible. En plus,
on a un système dans le cerveau qui est un système de suppléance. La suppléance, ça veut dire que si un neurone meurt, un autre peut prendre le relais de la fonction. Par exemple, sur un champ de bataille, le porte-drapeau meurt. Eh bien, il y a toujours un soldat qui prend le drapeau pour continuer. Et le cerveau, c'est pareil. Un neurone meurt, un autre neurone peut remplacer ce neurone déficient pour fonctionner. Quand ces neurones commencent à lâcher ou à perdre leur connexion, ou simplement à dégénérer, il y a des substances qui peuvent venir à leur rescousse. On peut le faire en laboratoire aujourd'hui, expérimentalement. Et le facteur de croissance neuronale est une des substances les plus importantes. Il peut sauver les neurones, un groupe particulier de neurones qui sont sur le point de mourir ou de dégénérer. Le docteur Claudio Coelho est à la pointe du domaine de la réparation du cerveau. Contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, non seulement des neurones ne peuvent en remplacer d'autres, mais ils peuvent se régénérer. À 500 fois la vitesse réelle, un neurone construit ici sa connexion. Cette découverte devrait avoir des conséquences extraordinaires. Nous nous attendons à ce que la neurologie du siècle prochain soit très interventionniste. Nous serons capables d'administrer des substances, comme le facteur de croissance neuronale, pour sauver ces cellules qui seront sur le point d'abandonner le système, ou de perdre leur connexion, ou simplement de mourir. Il faut bien évidemment que la maladie ne soit pas trop importante. Mais tant que l'on se bat, le cerveau va répondre. C'est un peu comme ce champagne. Et ce champagne, il est vieux. Il est forcément vieux pour arriver à cette maturité. Et regardez comme il pétille. Il est plein de bulles, il est plein de vie. Eh bien, le vieillissement, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on a avancé jour après jour dans l'âge qu'on n'est pas capable de pétiller comme ce champagne. Rien ne me semble plus offensant. Je suis vraiment offensé quand on me dit « Mais dans votre temps, monsieur, mais mon temps, c'est aujourd'hui mon temps. Je vis aujourd'hui avec vous. Vous avez 40 ans, mais j'en ai 80. Mais nous sommes là dans ce même bouillon social. J'ai des responsabilités que vous n'avez pas et vous, vous en avez aussi. Vous êtes obligé de payer mes pensions de vieillesse, mais moi, je vous dois quelque chose. Vous avez le droit de me consulter, vous avez le droit de me demander ce que je puis vous donner. Depuis qu'on a quitté l'espèce de société rurale dans laquelle nous étions, on s'est mis à morceler les personnes, à morceler les expériences, si bien que chacun se trouve dans son petit coin et n'accède plus aux autres. Et je pense que c'est absolument le phénomène des personnes disons, du quatrième âge, qu'on voit comme des espèces de dinosaures et qu'on aimerait bien voir dans des sortes de musées où bon, c'est très bien, c'est très joli, mais où on ne puise plus à leur expérience, on ne puise plus à leur connaissance et on ne puise plus à leur sagesse. Et puis moi, je trouve que c'est en quelque part un drame parce que c'est comme si le monde était né avec nous et c'est extrêmement insécurisant de commencer le monde ce matin à partir de soi-même. Je souhaite que cette nouvelle génération, si j'ose dire, de vieillards puisse constituer une couche sociale suffisamment importante et ayant suffisamment de poids pour donner d'autres finalités à l'espèce humaine. Je crois que ça nous amènera à nous concentrer sur les valeurs humaines dans une société où la vie est plus courte, comme dans la nôtre.
Les gens courent comme des fous pour réussir leur carrière. Ils sont uniquement orientés vers le succès. Mais dans une société où l'on vivra plus longtemps, les gens feront cela un bout de temps et en viendront à une période qui aura plus à voir avec les valeurs humaines. Jamais dans l'histoire, les gens n'ont eu la possibilité de vivre jusqu'à un âge aussi avancé que le nôtre. C'est à nous de tirer avantage de cette merveilleuse nouvelle situation. Pour se demander si la beauté est dans l'objet ou dans l'œil de l'observateur, il n'y a pas de bonne réponse. Elle est à la fois dans l'œil de l'observateur, c'est-à-dire dans le désir qu'il a de voir des choses qui vont lui plaire, et dans les objets qui se prêtent à cette perception de la beauté. Et la science n'est pas étrangère aux différentes révélations qui nous amènent à comprendre la beauté, à voir ce que nous ne voyons pas si nous ne le cherchons pas. La science apprend à chercher, la poésie, une fois qu'on a trouvé, apprend à être heureux de la découverte. J'écris beaucoup de poèmes et j'ai toujours aimé la poésie. Et je connais une quantité de poèmes par cœur. Et il y en a un que j'adore parce que j'adore la femme qui l'a écrite. C'était Anade d'Ohio. Et elle disait, j'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai senti d'un cœur pour qui le vrai ne fût point trop hardi. Et j'ai eu cette ardeur par l'amour intimé pour être, après ma mort, parfois encore aimé. Et qu'un jeune homme, alors, lisant ce que j'écris, sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris, ayant tout oublié des épouses réelles, m'accueille dans son cœur et me préfère à elle, en récitant, j'en ai envie de chialer. C'est tellement beau parce que c'est tout le narcissisme de cette femme qui voulait pas mourir et qui voulait se prolonger, qui voulait se prolonger dans les jeunes hommes qui la liraient, et ce que j'ai été, et que j'aime encore d'ailleurs, c'est extraordinaire. Vous parlez du vieillissement, mais la comtesse de Noël ne vieillira jamais. Elle est morte, mais elle est là parmi nous. Et pour le vieillissement, que le temps est court, de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. C'est formidable, ça. C'est vrai que le temps est court, de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. Bon, voilà.